Salut à tous, c'est Kevin Kedeo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture d'un coffret chinois exclusif en Chine qui n'est jamais sorti en France et qui malheureusement ne sortira jamais en France. C'est ce coffret Dragon Returns, donc un coffret basé sur les dragons et qui m'a été gracieusement offert par le site Maya Pokémon avec qui je suis en collaboration actuelle. Donc on a un petit partenariat ensemble. Vous avez un code promo de 10% sur votre première commande sur tout le site internet, sur tous les items chinois qui est sur le site, donc Maya Pokémon. Donc c'est le code KEF10, vous le retrouverez toutes les informations dans la description. Ils m'ont offert ce coffret donc du coup pour fêter notre petit partenariat et pour que je vous présente un petit peu la boutique, que je vous présente également les items qu'ils ont. Ils m'ont également offert une petite display de single pack. Donc je vous ferai une petite vidéo également sur cette ouverture. Et je vous ferai aussi une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus. Les spécificités du chinois, les prix plus ou moins, ce que ça donne, etc. Parce que j'ai trouvé en tout cas avec beaucoup de vendeurs Vogt, etc. ou sur des sites internet que les prix n'étaient pas forcément respectés, que beaucoup étaient ignorants sur ce genre d'item et que les prix peuvent fortement flamber pour qu'au final les items ne sont pas si chers que ça. Là honnêtement pour ce coffret de mémoire il était à 80 et quelques sur le site de Maya Pokémon et vous avez 10% en plus supplémentaire dessus. Et à savoir qu'à partir de 150 € d'achat sur le site, les frais de port vous sont remboursés. Donc vous pouvez aussi retrouver ce genre de coffret, les coffrets Ébullition, vous avez le coffret Pyroli, Voltali et Aquali. Et vous avez plein d'autres coffrets. Plein d'autres coffrets. Vraiment, vous avez l'embarras du choix et vous avez même les nouveaux coffrets pour fêter les 2 ans du TCG chinois en Chine. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ils viennent de l'annoncer. Donc là, ça va être à l'effigie de Giratina. Palkia, forme originelle, Dialga, forme originelle, et Arceus. Le Arceus, il est incroyable. Ça, c'est vraiment un coffret que je veux absolument. Vous avez un cadre pour y mettre 4 cartes. Donc, c'est les 4 cartes gold qui sont sorties en Japon, qui sont sorties chez nous en France avec Zenith Suprême. Et sincèrement, c'est un coffret mais incroyable. C'est un coffret très très beau. Je vous le montrerai à l'occasion si j'arrive à l'avoir aussi celui-ci. Oh là 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 là, c'est trop beau. Trop 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 beau. J'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un petit classeur, vous avez des boosters Dragon Returns, donc une mini-série. Je ne sais même plus de combien de cartes il y a dans cette série. Mais vous avez 5 boosters de 3 cartes dedans. Et vous avez également des boosters jumbo de Nine Colors Gathering avec. C'est notre évolution céleste à nous. Hein. C'est notre évolution céleste. C'est également Eevee Heroes au Japon. Mais ce sont des boosters jumbo de 25 cartes. Donc, à contrario de cette display, vous avez des boosters de 5 cartes. Là, vous en avez 25 dans ce genre de booster. Vous avez officiellement, enfin, d'office à chaque fois, vous avez une V dans le booster. Vous avez deux holos, deux reverse. Et l'une des deux holos peut être remplacée par une V max. Et l'une des deux reverse peut être remplacée par une alternative ou un truc dans le genre. C'est un des deux à chaque fois. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué sur mes précédentes ouvertures, quoi. Voilà. Donc là, on a nos petits boosters. Donc Dragon Returns. Très sympa. Ensuite, on a notre petit playmat. On va le mettre tout de suite. Vous savez quoi? On va le mettre tout de suite. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors ça. Franchement, les Chinois, ils sont dans le futur. En fait, ce sont des séparations. Je vais vous montrer, je vais vous faire ça in live. Voilà, donc concrètement, je vais prendre ça. Ça donne ceci. Donc c'est une petite séparation. Je trouve ça super. Au moins comme ça, vous savez quoi refaire de la box. Vous n'avez pas à la jeter. Sincèrement, moi, ça me fait du rangement, en tout cas pour mes cartes. Voilà, alors, donc je vous montre un petit peu tout ça. On va regarder ensemble le petit playmat, ce qu'il donne. Parce qu'ils sont vraiment très quali en plus, les playmats. Je les trouve très, 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 très beaux. J'avais déjà ouvert le Aquali sur la chaîne. Je pense que vous avez déjà dû le voir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Hop. Oh, trop beau. Ils sont incroyables. Incroyable. Regardez. Regardez-moi ça. C'est trop, trop bien. Franchement, j'adore. J'adore. Ça rend super bien. Je suis fan. Je suis trop, trop fan. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ouvrir
Le Fusion Strike. Après, on ouvrira les petits boosters Dragon Returns. Et ensuite, on ouvrira le Nine Colors. Toujours le Nine Colors en dernier. Hein, parce que forcément, c'est mon extension préférée pour l'instant pour le chinois. Même si là, l'extension avec le Lucario aussi m'intéresse énormément. J'ai vraiment très très envie de voir ce que je peux avoir aussi dedans. Parce qu'on a un Lucario exclusif qui n'est jamais sorti, en tout cas chez nous en France, en Rainbow. Alors, Excaverin, Écolier, nous avons Sapperow, Nunurson, Morpeko, Pandespiègle, Watuat, Limagma, Igualta, Escargoum, je l'avais dit là, Bec à Glaceron, Verpom, nous avons les serveurs, je sais plus comment ils s'appellent, je crois même que c'est les serveurs en fait, comment ils s'appellent. Ok, on a Muplodocus, Rouleau du Dragon, Éternel, je crois que c'est un truc dans le genre. Chelours, Groublenard, je ne sais plus, Limaspid, Rosabis. Ensuite, on a une petite holo de Stilix, une petite holographique de Cotovol. On a encore une fois le fameux... mince. Bon, enfin. Fulgudog. Oula, j'ai eu un mini bug. Excusez-moi, j'ai eu un bug interne. Ok. Alors, c'est parti maintenant. On va faire les petits boosters donc de Rayquaza. Alors, je vais ouvrir comme ça. Ok. On a une petite brillance sur nos cartes. J'ai vraiment jamais ouvert. Hein, sur... j'ai jamais ouvert cela, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Ok. Oh, punaise. Il y a un effet un peu craquelé, un effet un peu électrique. Je sais pas si vous allez voir. C'est super beau. Super beau foutu, j'adore. Oh, ok. Mais si, en fait, j'en ai déjà une des Kaiser en plus. Je crois que je l'ai déjà ouverte. Je sais plus où, mais j'ai déjà ouvert. Trop belle, la petite Ataria. Elle est incroyable. Trop beau. J'aime beaucoup. Mais alors, ce petit effet un petit peu d'éclair et tout, je sais pas si c'est totalement normal ou si c'est... si c'est juste sur cette carte, je saurais pas vous dire. J'ai jamais vu ça. Alors, ensuite, on ouvre le deuxième. Bon, par contre, ces boosters, ils sont pas du tout pratiques. Hein. En tout cas, si vous voulez les garder, l'illustration, c'est pas ouf. Hein. Oh, trop bien. Mais écoutez, c'est totalement normal, du coup. Il y a vraiment un effet de tonnerre, d'électricité sur la carte. Je trouve ça super beau. J'ai mis où mes cartes. Alors ici, ensuite on a le petit Lebigon, toujours avec le petit... Oh, trop belle, Sonistrel. Donc on a 21 cartes dans la série. Pour l'instant, je ne sais pas, j'ai pas s'il y a des secrets, ça c'est sûr. Je ne saurais pas vous dire du coup laquelle il y a dedans. Je crois qu'il y a la Rayquaza Gold aussi dedans. De mémoire, il y a la petite Rayquaza Gold à avoir. Oh, on a un petit hit. Noix de coco d'Alola, ok. Ok, là on a Ultra Necrozma. Oh, et la petite Latios Latias, très jolie également. Ok. Mais vraiment, c'est super beau. Oh, excusez-moi, mon Dieu. On enchaîne sur le prochain booster. Il nous reste deux petits boosters sur Dragon Returns. J'aime bien faire avec l'accent. Dragon Returns, let's go, c'est parti. Oh, on a encore une petite texte. Est-ce qu'on va avoir toute l'extension Dryol, je pense pas qu'on l'avait. Noix de coco, là, on ne l'avait pas non plus. Oh, oh, trop bien. Mais je savais pas du tout qu'elle était là. Trop bien. Roy. Voilà, je m'enjaille sur un Roy. Laissez-moi tranquille, d'accord. Laissez-moi tranquille. Je savais pas du tout qu'il y avait cette brillance sur cette carte. Vous voyez, cette box a été destinée à venir chez moi. Je dis ça, je dis rien. Et il manquerait plus qu'on ait un petit hit sur Nine Colors, ce serait parfait, mais parfait. Ce serait vraiment le Graal, le Saint Graal. Alors, pareil, donc on va plutôt prendre la dernière et on va la mettre devant. Hop. Ok, on a Mucuscule, qu'on n'avait pas encore vu, je pense. Ensuite, on a... Oh, mais la Dracolos, elle est incroyable. Ça me dit rien du tout en plus, cette carte. Oh, et derrière, on a une secrète. Ok, mais trop belle, hein. Et Kaiser GX en Rainbow.
Ok, donc pour l'instant, je suis sûr qu'il y a 23 cartes. Mais en fait, non, du coup, il n'y a pas. Je pense pas qu'il a. Parce que du coup, il y a un mélange d'ex. Bah, je sais pas, du coup. Oh, je saurais pas du tout vous dire. Ça me perturbe. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le mettre dans ce petit binder. Je vous ai même pas montré le petit binder. Alors, donc je pense que c'est un petit binder qui est fait exprès. Oh, trop bien. C'est super mignon. Qui est fait exprès pour mettre toutes les cartes. Donc là, on va un petit peu trier. Donc là, on a 5, 11, 24. Ok. Donc là, on a la 4. Bon, je trierai et je vous montrerai un petit peu. Mais à mon avis, c'est vraiment pour mettre tout dans l'ordre dans le petit classeur. La 3, la 6. Ok. Mais je trouve ça super stylé. Vous voyez, genre par exemple, allez hop, on va regarder là. 1, 2. Et hop, on va mettre la 3 ici. Vous voyez la suite comme ça. C'est trop stylé. J'adore. Franchement, j'adore. C'est trop bien foutu. La Chine. Ouh, la Chine. La Chine sont dans le futur. Je l'ai toujours dit, dès que j'ai vu les coffrets et tout ça, la Chine, c'est vraiment. On a beau dire, Made in China, c'est pas la quali, machin. Et franchement, là, la qualité, elle est impeccable. Elle est incroyable. Je n'ai rien à dire sur la qualité de cette expérience. Ces boosters, les cartes, il y a tout qui va, quoi. C'est incroyable. Pikachu, Gobou, Voltorb, Chenipan, Chapignon, Goupix, Écolière, Petite Écolière, Meowth, Votutrice, Meowth de Galar, Snubbull, Scorplane, je ne sais plus la boule, Drailleul, Casque d'astronaute, Rouleau de machin du dragon, Électrode, Branchitrouille, Bec à glaçon. Ensuite, nous avons Lucanon, Papillusion, Raichu, on a un petit Mentali. Et derrière, ok, on aura deux petites Reverse. Bon, pas de hit cette fois-ci. On a quand même eu notre petite Rainbow sur la série Dragon Returns. Donc ça, c'est cool. Elle est où d'ailleurs? Malay. Où est-elle? Et j'ai eu Roy, surtout, c'est ça le plus important. Moi, pour moi, en tout cas, j'ai eu la petite Roy avec les brillances comme ça, c'est super beau. Voilà, donc on aura une petite rainbow, donc ça je suis très content. Donc n'oubliez pas le code promo CAF10 sur tout le site internet, sur tous les items chinois du site Maya Pokémon. Donc là c'est jusqu'au 30 septembre, après il sera renouvelé si les performances sont bonnes. Donc personnellement en tout cas ils sont très satisfaits, je suis très satisfait de ce que j'ai pu apporter pour le moment. Donc on verra par la suite ce que ça donne. Mais en tout cas, je remercie encore une fois énormément Maya Pokémon pour ses items. Et on se retrouvera prochainement pour la petite ouverture de cette petite display. Et peut-être que je vous en ferai gagner un. C'est pas dit. On verra. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!